Donc bonjour, bienvenue sur Scooter et Mecha Boîte. Aujourd'hui, vidéo coup de gueule du site Nono Les Gaz. Faite avec la nouvelle caméra. Donc je suis sur le site de chez Nono Les Gaz. On va commencer par le Neyman. Donc, je vous montre la boîte. Technium, référence 108, 57. Donc, soi-disant pour Yamaha XT125. Je vais essayer de pas trop zoomer parce que sinon ça va être la merde à chaque fois. Cette caméra fait le focus, mais bon, quand même. 108. 57. Je vais essayer de zoomer un tout petit peu. Vous le voyez en rouge, 108,57. Je clique dessus. Voilà. Contacteur kit serrure DTX Limit. Après 2007. Premier problème. Ces Neyman-là ont été montés sur les DT de 2003 à 2006 et non 2007. Là, ils mettent à partir de 2007. Donc, il semble logique que ça correspondrait au Neyman série 2. Ce qui n'est pas possible vu que à partir de 2007, les faisceaux électriques des DT changeaient. On n'était plus sur du Ducati Energia, je crois qu'on était sur du... Je sais plus c'était quoi la marque, mais je sais qu'on changeait de faisceau, que tous les branchements changeaient. CDI, compteur, je sais que tout changeait. Donc déjà, premier problème ici. Le deuxième problème, Vicma. La référence est là. Je la mets en bleu, 108,57, Technium, 108,57. Deuxième problème. Le problème numéro 3, c'est un détail, mais bon, je tiens à le souligner quand même. Les clés sur la photo, elles sont bleues. Je vous montre la clé du DT. Que j'ai reçu avec le Neyman. C'est la même que la clé d'origine. Donc, ceux qui suivent la chaîne depuis un bail sauront que j'ai acheté ce Neyman le 5 août 2020 et qu'il a fait 200 km et ensuite il a lâché. J'avais des coupures, des micro coupures d'allumage, en fait on roulait, puis la moto, bah, dès qu'on dépassait les 8000 tours, elle faisait une micro coupure comme si on coupait le contact et qu'on le remettait. Donc, avant de contacter Nono Les Gaz, j'ai quand même vérifié pas mal de trucs sur la moto pour savoir si c'était pas un autre truc, parce que ça me paraissait bizarre pour un Neyman 9. Malgré que ça soit avec du Technium, c'est quand même bizarre. Puis au final, non, ça merdait toujours. Puis dès que je débranchais le Neyman, bah, dès que je débranchais la fiche, hein, donc la fiche qui est là, je vais vous montrer sur le. L'ancien. Dès que je débranchais la fiche qui est là, je repartais avec la moto et la moto marchait bien. J'avais un Neyman en stock. Enfin, j'avais une partie contacteur électronique en stock. Je l'ai monté sur mon ancien Neyman. Et j'ai roulé 2 mois et demi comme ça. 2 mois et demi, 3 mois. Parce que le Neyman, bon, il m'a été... échanger, ça j'y reviendrai après.
Il a été échangé et en fait le problème qui s'est passé, c'est que j'ai eu la flemme tout simplement de le monter. Donc j'ai dû rouler peut-être 3 mois et demi, ouais, 3 mois et demi, 4 mois comme ça avec l'ancien Eman et ça marchait très bien. Donc j'ai contacté Nono les gaz hein, quand j'ai vu que l'autre Neyman marchait. Bon, j'ai pas mis 4 mois pour les contacter. Je les ai contactés quand j'ai vu que le Neyman marchait dessus, l'ancien. Je leur ai dit voilà, j'ai un problème, votre Neyman, j'ai des micro-coupures de l'image à partir de 8000 tours minute avec. Moi je fais quoi? Dans le coup, ils m'ont dit vous êtes sûr que c'est le Neyman, c'est pas votre faisceau électrique? Ouais, sauf que le souci c'est que le faisceau il est neuf. J'aurais dit pareil, j'ai essayé avec un autre Neyman et avec l'autre Neyman ça fonctionne. Bon, il n'est pas neuf, mais ça fonctionne. Ils m'ont dit, écoutez, il faut nous renvoyer le Neyman. Je dis, oui, d'accord, mais est-ce que vous remboursez les frais que je vais payer pour vous l'envoyer? Ils m'ont dit oui. Donc j'ai renvoyé le Neyman. J'ai payé 9,75 € d'envoi. Parce que j'ai pris une assurance puis un suivi, quand même, hein, parce que le Neyman a quand même coûté des ronds, je crois que j'ai dû payer 61,90 €, je crois, un truc comme ça. Avec les frais d'envoi, je crois qu'il est à 59 le Neyman. Et donc j'ai attendu un mois et demi pour avoir un Neyman. Je tiens à préciser que pour les contacter, c'est la merde à chaque fois. On peut les contacter que sur le site avec la fonction qui est là. Ils n'ont pas de numéro de téléphone. Donc on ne peut pas les appeler. Ils ont mis un mois et demi. Enfin, au départ, ils avaient mis 3 semaines à me répondre pour savoir si je pouvais renvoyer le Neyman. Une fois qu'ils m'ont répondu, j'ai envoyé le Neyman. Enfin, une fois qu'ils m'ont répondu, oui, j'ai envoyé le Neyman. J'ai payé 9,75 €. Je leur ai mis les pièces jointes. Donc en fait, quand vous allez sur contact. Vous choisissez l'objet, votre adresse email, moi je ne vais pas la marquer. Vous tapez votre message. Là c'est fichier. Faut les scanner en fait. Vous scannez vos fichiers. Le ticket que vous devez envoyer, vous le scannez. Faut mettre si vous avez vous payez par carte, il faut mettre le ticket. Donc le bon d'envoi et le ticket de paiement. Faut mettre les deux sur la même feuille parce que vous pouvez envoyer qu'un seul fichier. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'aurais tout envoyé, tout nickel. Donc la preuve que j'ai payé 9,75 €. Ils m'ont renvoyé un Neyman. J'ai pas été remboursé. Le jour que j'ai reçu Neyman, j'avais pas été remboursé en fait de l'envoi. Je les ai recontactés. Je leur ai dit voilà, j'ai bien reçu le nouveau Neyman, mais je n'ai pas reçu le remboursement que j'ai payé pour vous renvoyer l'ancien. Là, de là, ils m'ont mis 15 jours à me répondre et je les ai harcelés, harcelés de mails, de messages, pour qu'ils finissent par me répondre. Et ils m'ont dit, écoutez, on va procéder au remboursement. Donc, la preuve qu'ils n'avaient pas remboursé à ce moment-là. Au bout d'une semaine, je regarde sur mon compte, remboursement était là. De chez eux, donc c'était PayPal. Ils remboursent par PAE, c'est prélèvement PayPal, remboursement PayPal. Et à ce moment-là, j'avais pas fait de commande ailleurs, donc je savais que c'était eux. Le souci, c'est que moi j'ai payé 9,75 €, je leur ai envoyé la preuve que j'avais payé 9,75 €, mais ils m'ont remboursé que 8 €. C'est tout simplement pour moi du vol, parce que moi je pars sur un principe. Déjà, on paye pour un Neyman de marque, parce que Vikma c'est une marque, ce n'est pas une sous-marque. On paye pour une marque et on reçoit une sous-marque chinoise. Alors attention, je dis pas que Technium c'est de la merde. À la base, Technium c'est quand même d'assez bonne qualité. Mais bon, moi je pars sur le principe, sur le site c'est marqué Vitma, c'est pas marqué Technium. Donc pour moi je paye pour du Vitma. Et en plus le souci c'est que bon, là je peux pas vous montrer le prix parce qu'il n'est plus en stock. Mais je l'ai payé 59,90 €. Mon concessionnaire qui était avant sur Châteaudun
vendait le même pour 48,90 €. Ça fait 11 € de différence. Bon. Vous allez me dire, ouais, mais Nono Legas, il faut qu'il se fasse une marge. Bah oui, bah les concessionnaires, il faut qu'ils se fassent une marge aussi. Voilà. Donc, je commande un Vicma, je reçois un Technium. Je renvoie le Neyman, je paye 9,75 €, on me rembourse que 8 €. Donc, ça ne passe pas trop. Maintenant, on va revenir sur le deuxième article. Le 86 Italkit, qui est en réalité un 85 Italkit, c'est marqué sur la boîte, 85cc. Et la référence que j'ai là, je l'ai tapé chez Italkit, et le cylindre n'est pas trouvé. Je ne trouve pas le cylindre. Donc, je ne peux pas mettre la référence, normalement, si je dis pas de conneries, on va essayer, mais je pense pas qu'elle va marcher. Voilà, je commence à douter. Donc il est là. Alors je vous remontre la boîte. CK44 851 GR2. Le cas, c'est moi qui l'ai refait parce qu'il était à moitié effacé. On le voit légèrement l'ancien en dessous car il y avait des traces d'humidité. Et là vous pouvez voir, la référence est là. CK44 851 GR2, 86cc. Donc vous allez me dire, ouais, mais il fait peut-être 85cc parce qu'il n'est pas fourni avec le vilebrequin, parce que c'est selon le vilebrequin. Ben oui, mais de toute façon, ce cylindre-là, on est obligé de monter sur une course 44. On peut pas monter ça sur une course 39. Puis, là, c'est le cylindre seul. Comme dans la boîte. Hein. Et là, il est marqué 86. Sur la boîte, il est marqué 85. J'essaierai de voir si je peux vous montrer ça après chez Takita. Je vais sortir la notice qui est dedans. Il y a le site internet dessus. Donc, sur ce cylindre-là, j'ai pris un mois et demi, deux mois de retard pour le monter, pour plusieurs trucs. La bague de l'échappement, je ne l'ai pas vue. Donc, j'ai pas eu la bague d'échappement. La vis qui vient là-dedans, sur la culasse en 8 au pas de 100, je ne l'ai pas vu. Et les deux clips qui sont là, qui viennent pour le piston, je ne les ai pas eu non plus. Donc j'ai contacté, je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis, ah, ça m'a pris un mois et demi, deux mois de retard. J'ai contacté Italkit, pas Italkit, pardon, j'ai contacté Nono Legas pour leur signaler qu'il manquait des pièces dans le pack. Ils m'ont dit, donc ils ont mis 3 semaines et demie à me répondre. Encore une fois, j'ai harcelé. J'aurais dit qu'il me manquait l'adaptateur de l'échappement, qu'il me manquait l'éclipse du piston et qu'il manquait la vis. J'ai appelé ça une vis de purge, mais c'est pas une vis de purge. De la culasse. La M8 au pas de 100. Ils m'ont répondu en me disant que l'adaptateur de l'échappement n'était plus fourni, que la vis de la culasse n'était plus fournie. Et que l'éclipse du piston, j'avais mal regardé, il fallait que je regarde mieux pour voir si c'était pas dedans. Non mais, frère, j'ai regardé. J'ai pas l'habitude d'envoyer des commentaires, enfin d'envoyer des messages s'il n'y a pas la pièce, si j'ai pas vérifié.
J'étais au point d'ouvrir intégralement les boîtes. Je vais vous montrer sur la boîte de la culasse. Donc, j'étais au point d'ouvrir la boîte, de tout enlever, d'ouvrir ça, carrément, de vérifier là-dessous, de vraiment ouvrir la boîte intégralement. J'ai fait carrément comme ça pour voir si c'était pas dedans, tout simplement. Et j'ai fait ça sur les trois boîtes. Merci le focus. J'ai même été au point de regarder dans la pochette des joints, pour voir si c'était pas dedans. Donc, bon, je vous le remontre pas en vidéo. J'en ai fait autant sur celle-là, j'ai ouvert les battants comme j'ai fait sur l'autre. Donc j'en ai fait autant là-dedans. Et il n'y avait pas les circlips. Donc, j'aurais dit, écoutez, j'ai tout vérifié, non, j'ai pas les circlips. Ils me disent, écoutez, on va vous renvoyer ça, mais par contre, l'adaptateur d'échappement, c'est pas fourni. Alors maintenant, déjà, premièrement, sur la photo, il est. Je vais zoomer un peu. Et je vais descendre. Regardez en bleu. Dites-moi ce qui est marqué. On est bien d'accord, c'est marqué livré avec pochette de joint, réducteur échappement et notice. Je ne l'invente pas. Maintenant, je vais revenir sur le fait que c'est eux qui ont oublié de remettre les pièces et que ce n'est pas un problème de chez Itakit. J'ai un ami qui a acheté un cylindre Itakit, mais pas un 86. Lui, il a acheté le 94. Donc, ça marche mieux que ma bécane. Ça, je vais pas vous expliquer là-dessus. Mais je vais vous expliquer autre chose. Quand mon copain m'a dit qu'il avait commandé un 94 Itakit, j'ai dit, écoute, surtout, tu ne l'ouvres pas, tu attends que j'arrive, je veux voir quelque chose. Dans le coup, mon copain m'a attendu, c'était sympa de sa part d'ailleurs, et il l'a reçu dans la même boîte que moi, sauf que lui, c'était pas un 85, c'était un 94. Et normalement, à cet endroit-là, il y a un autocollant. C'est High Quality, un truc comme ça, je sais plus c'est quoi le nom exact. Enfin, je vais vous dire le nom en français parce que je l'avais traduit, c'est haute qualité. Cet autocollant sert tout simplement de... C'est un autocollant de scellé, ça sert pour les garanties. Normalement, vous l'avez ici. Ça, c'est la boîte où il y a le cylindre et le piston. Vous en avez un également ici. Ça, c'est la boîte pour la culasse et les ressorts d'embrayage et les goujons. Et vous avez également un autocollant ici. Moi, j'en avais pas un seul. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Nono les gaz... Vous voyez les autocollants que j'ai là? C'est les autocollants du site Nono les gaz. J'en ai eu deux. Il y en avait un dans cette boîte-là. Donc, la preuve que cette boîte a été ouverte. Et j'en avais un dans celle-là. Donc, également la preuve qu'elle a été ouverte. Dans la boîte rouge, donc dans cette boîte-là, normalement, il y a ces deux boîtes-là. Qui sont posés comme ça.
dans la boîte rouge. Donc, pour moi, s'ils ont mis les autocollants dans la boîte de la culasse et dans la boîte du cylindre, c'est qu'ils ont ouvert le carton, c'est qu'ils ont ouvert la boîte du cylindre. S'ils ont ouvert la boîte du cylindre, pour mettre les autocollants qui étaient au fond de la boîte, ils ont été obligés de sortir le cylindre et la culasse. Donc ils peuvent avoir oublié d'avoir remis les pièces. À la base, ce carton, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils se sont permis d'ouvrir les boîtes bleues et la boîte rouge du cylindre. Car cet emballage-là, il était dans un carton, dans le carton d'expédition. Et en général, ils doivent mettre les autocollants dans le carton de l'expédition. Ils n'ont pas le droit d'ouvrir les boîtes. À l'origine, ils n'ont pas le droit. Moi, j'avais contacté dans le coup Itakit. Je leur avais expliqué que j'avais acheté un 86 Itakit chez Nono Les Gaz. Enfin non, je ne leur ai pas dit le nom du site où je l'avais commandé. Mais je leur ai dit que j'avais acheté un 86 Itakit et qu'il y avait plusieurs trucs qui me paraissaient bizarres. Ils m'ont demandé, donc ils m'ont demandé quoi. Je tiens à préciser que si vous voulez les contacter, ils répondent qu'en italien. Il faudra obligatoirement traduire tous les messages avec Google Traduction ou directement sur votre boîte mail. Et j'aurais dit, écoutez, pour un 86 Itakit, la grosseur des transferts me paraît bizarre. La grosseur des diagrammes me paraît bizarre. Puis surtout, j'ai pas la bague du pot, j'ai pas la vis de la culasse, j'ai pas l'éclipse. Ils m'ont dit, normalement, tous nos cylindres de chez nous sont fournis avec la bague du pot et la vis de la culasse. Et l'éclipse, ça va de soi. Je fais, par contre, j'ai quand même des doutes sur le fait que ça soit un 86. Ils m'ont demandé pourquoi. Je leur ai dit, je vous l'ai mis dans le message, le premier message que je vous ai envoyé. Les transferts et les diagrammes me paraissent petits. Ils font, avez-vous la référence du cylindre? Je leur ai dit que oui. Ils m'ont demandé la référence, je leur donne la référence. Ils m'ont dit que là, par contre, il y avait un problème parce que la référence ne correspond pas au 86. Parce que chez eux, je vais vous le montrer après le 86 sur Itakit, vous allez voir que la référence ne correspond pas. C'est la référence Itakit à la base, ça. C'est pas la référence de chez Nono Les Gaz. Vous avez vu que je l'ai sur la boîte. Et ils m'ont dit, non, écoutez, c'est pas cette référence-là, votre référence correspond à un 85. Et effectivement, sur la boîte, je vous le remontre. C'est bien marqué 85. Donc dans le coup, un peu merdique, hein, un peu dans la merde. Ouais, donc ils m'ont dit que ça correspondait à un 85 et pas à un 86 à cause de la référence. Ils m'ont dit, mais de toute façon, le 86, normalement, il est censé être bleu. Alors ça, par contre, j'ai un peu de mal à le croire parce que j'ai des amis qui ont eu des 86 qui était gris. Donc voilà, là on est chez Itakit. Comme vous pouvez voir. Alors le petit souci, normalement on peut faire la recherche par code. Donc normalement la recherche par code, c'est tout simplement la référence du cylindre. Normalement il va pas le trouver. Et je vous expliquerai après pourquoi qu'il ne va pas le trouver. Voilà, je m'en serais douté. Par contre, je vous conseille c'est de le faire par Google Chrome, si vous voulez faire des recherches, et pas par Mozilla Firefox. Parce qu'en fait, je me suis trompé tout à l'heure, c'est pas italien, c'est espagnol. Et par Mozilla Firefox, vous aurez tout le site en espagnol. Il n'y a pas de traduction. Donc là, on l'a pour le... Je vais faire les recherches. Je vais regarder si je trouve pour la M6 et je reviens vers vous après. Bon, là, le cylindre. Bon, il n'y a pas la photo. Hein. Je vous le dis d'office.
kit cylindre avec annonce vilebrequin minarlet AM6. Bon, le vilebrequin, je ne l'ai pas. C'est le 308-3 longue, course 44, 85 cc, diamètre 50. Bielle de 14. Ouais, voilà, celui-là c'est celui pour la bielle de 14. Moi c'était la bielle de 12. Mais 85. Et d'accord. Donc ça y est, je l'ai enfin trouvé. Bah, je peux vous dire que j'ai passé du temps. Donc le 86, il est là. AM6, donc 308-3, longue course 44-86 cc, diamètre 50, un segment, culasse 2 pièces. Alors, j'espère que c'est bien celui-là. Alors, on n'aura pas de photo, hein, je vous le dis d'office. Par contre, je sais pas c'est pour quel axe. Mais je vais vous montrer tout de suite le problème avec la référence. Car là, on a la référence du 86. Référence qui se trouve ici. À une lettre près, ça aurait été bon. Donc, c'est la référence CL44-851-GR2. Et moi, c'est la CK44-851-GR2. Vous allez me dire, ouais, mais t'as mis du feutre. Là, vous avez vu tout à l'heure sur le site Nono les Gaz. Vous avez bien vu que c'était bien la bonne référence. D'ailleurs, je vous le remontre tout de suite. Alors, attendez. Je ne l'invente pas. cc, regardez en haut. Là. 86cc. CK44-851-GR2. Je dézoome un peu. En bleu. 86cc. Diamètre 50, un segment. CL44-851-GR2. Alors, on n'a pas de photo, ça par contre c'est le truc qui est dommage. Il n'y a pas de photo. Alors, je pense que ça doit être le diamètre en axe 12, hein, parce que l'axe 14 il est là. Là pareil, sauf que cette fois la référence correspond pas du tout. CL44, ça c'est enfin CL. Donc le premier C est bon, pas la deuxième. 44-851, bah ça c'est bon. G14, bah oui, G14 c'est normal vu que c'est un axe de 14. Voilà. Là, c'est un 86. En biais en. Axe de piston de 14. Ça c'est 1,86 aussi, donc je pense que celui-là ça doit être celui en axe de 12. C'est bien pour un M6, hein, c'est marqué là. En bleu aussi. Donc. Donc je ne l'invente pas. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc si j'ai un conseil à vous donner, ne commandez, évitez de commander chez Nono les Gaz. C'est un conseil que je vous donne. Après vous en faites ce que vous voulez. C'est pas mon argent. Moi je me suis fait avoir deux fois. Vous connaissez le proverbe. Jamais 203. Bah il n'y aura pas 3.
Donc moi je ne commande plus rien chez eux, puisqu'on ne sont pas foutus de vendre ce qu'ils mettent sur les sites. Au passage, je vais vous montrer aussi un truc sur la photo. Je l'ai eu avec les ressorts d'embrayage et les goujons. Cherchez-moi les ressorts dans l'embrayage et cherchez-moi les goujons sur la photo. Et s'ils sont pas, cherchez-moi dans la description. Vous pouvez regarder, c'est pas marqué. Que ça soit également sur la fiche technique, je crois que c'est pas marqué non plus. Bah, pièce de rechange, hein, voilà. Les commentaires. Ça c'est les commentaires, zéro commentaire. Quand j'ai acheté ce cylindre-là, ce qui m'avait franchement fait tiquer, ça a été pour le prix. C'était surtout le prix qui m'avait paru bizarre. Parce que regardez à combien qu'il est. Vous avez vu le prix? Alors ça m'avait paru bizarre, c'est pas le fait que c'est cher, justement. Ça m'avait paru bizarre parce que c'est le fait que c'est pas cher. À 9 euros près, c'est le prix du 86 si t'as pas lu. Et en général, ceux qui se prennent le 86 top alu, c'est justement parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter celui-là. Le 86 Itakit, moi je l'ai trouvé sur un autre site. Et je crois qu'il, si je dis pas de conneries, je crois qu'il est à 325 euros ou 335 euros, je crois. Sans le vilebrequin. Donc voilà. Donc bah, c'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez venir revoir sur la chaîne YouTube Scooter et Mecaboîte. Vous pouvez vous abonner à mon Instagram. Le lien dans la description. Vous pouvez liker et partager les vidéos.